je lance l'enregistrement et que nous allons avoir, on mettra le lien de l'enregistrement sur le site de l'agro pour que chacun, ceux qui ont participé, puis ceux qui n'ont pas participé, puis tous ceux qui s'intéressent au sujet, puissent bénéficier de nos échanges. Donc, Marlène et Mathieu, donc je pense que vous êtes prêts, on a déjà échangé. Marlène fait partie des élèves et jeunes diplômés qui s'intéressent au projet d'AgroCampus et puis qui viennent participer. Peut-être, j'aimerais bien qu'elle puisse nous dire un petit mot, un petit peu au nom de ce groupe de jeunes qui nous assistent dans notre projet. Donc. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je suis encore élève à AgroParisTech et je me suis engagée dans l'association Grignon 2000 parce que je pense que comme beaucoup des élèves qui sont passés par Grignon, j'ai beaucoup aimé le campus de Grignon et je trouverais vraiment dommage que ce soit pas qu'il n'y ait plus une dimension agronome à ce campus, d'où mon investissement dans l'association. Et donc, l'Agroforum de Grignon, c'est un moment, une table ronde qu'on a montée pour un peu préfigurer les débats qui pourraient avoir lieu donc, dans le futur, sur le futur campus de Grignon. Aujourd'hui, cette table ronde porte sur l'agriculture et la transition écologique. Et pour parler de ça, on a demandé à trois personnes, donc trois intervenants, de venir nous parler de ce sujet. Donc, à savoir Monsieur Michel Griffon, qui est ingénieur agronome, expert en politique publique, et il est spécialisé dans les pays en voie de développement. Et il est passé par Grignon, lui, en 1968. Mais également Monsieur Christian Valentin, qui est aussi ingénieur agronome. C'est un pédologue émérite à l'Institut de recherche pour le développement, et il est également passé par Grignon en 1973. Et enfin, donc Monsieur Bernard Saugier, qui lui est professeur honoraire et membre et ancien président de l'Académie de l'agriculture. Et lui, il est passé par l'ENS. Voilà, merci à tous les trois d'être là avec nous. Et j'espère que ça intéressera tous les participants. Merci. Donc, vous allez faire, Mathieu et toi, donc le travail d'échange avec tous les participants. Eh bien, on va commencer les débats. On pourrait dire beaucoup plus hein, sur chacun, le pédigré et toutes vos missions et fonctions. J'ajoute que Michel est aussi membre de l'Académie de la culture, tout comme d'ailleurs Christian Valentin. Ce que je retiens quand même, c'est que Michel Griffon est président de l'Association internationale pour l'agriculture intensive et il est connu pour avoir promu ce terme d'agriculture intensive. Il va certainement en parler maintenant. J'aimerais bien qu'il puisse un peu le sujet en parlant peut-être avec une perspective un petit peu historique et sur la nécessité bah, de changer de modèle de production agricole, en particulier face à l'urgence climatique actuelle. Donc, Michel, on vous laisse parler en espérant que le son s'améliore. Bonjour. Un point important, il s'agit d'agriculture écologiquement intensive. Le mot écologiquement est déterminant. J'y tiens beaucoup, autrement, on se trompe complètement d'objet. Voilà, je voudrais être sûr que vous m'entendez correctement parce que les essais de son n'étaient pas très bons. Je suppose que oui. Je n'ai pas de retour, donc j'y vais. Bien, d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de faire quelque chose pour cette école de Grignon. Si j'ai bien calculé, elle aura bientôt 200 ans. Ce qui veut dire que ces murs ont accueilli de nombreuses réflexions et il faut que ça continue. Ça serait une très bonne chose. Alors aujourd'hui, c'est un Grignon virtuel, mais nous allons essayer de le rendre un peu réel. Pardon. Alors, par rapport à la question qui est posée sur la transition écologique et l'agriculture, je voudrais élargir, pour que nous soyons bien clairs, à toutes les agricultures. C'est très ambitieux, mais nécessaire.
et donc à l'ensemble de la planète, et pas simplement l'agriculture française. Pourquoi? Eh bien parce que si nous souhaitons dire quelque chose qui porte sur ce site de Grillon, il faut maintenant que ce soit dans les enjeux qui sont les vrais enjeux des agricultures, c'est-à-dire les grandes modifications de la biosphère, les modifications écologiques, la diminution des espèces végétales et animales, la perte de biodiversité, les problèmes relatifs au sol, les changements des régimes des eaux et bien d'autres sujets encore, qui sont des sujets inévitablement planétaires. Ensuite, tout ça se situe dans une perspective longue, très longue, même multiséculaire, surtout si nous parlons, comme ça sera le cas tout à l'heure, du changement climatique. Alors, dans ce que je vais dire, il y a au moins trois types d'agriculture. Il y a les agricultures intensives, dans le terme classique, dans cette expression classique, c'est-à-dire intensive en quelque chose, intensive en énergie, beaucoup d'énergie pour produire un kilo de blé, beaucoup de chimie, beaucoup de capitaux, et c'est ce qui s'oppose bien sûr à une conception où on utilise beaucoup d'écologie et de raisonnement écologique pour produire le même kilo de blé. Donc, dans ces agricultures classiquement intensives, je mets les agricultures européennes et beaucoup des agricultures intensives asiatiques, par exemple, pour la production de riz. J'ai aussi dans la tête, en parlant d'intensives, les très grandes exploitations qu'on trouve un peu autour du monde et qui sont des exploitations résultant de la conquête coloniale européenne. Les grandes exploitations d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, du Canada, Brésil, Argentine, l'Australie, le Maghreb, l'Indonésie, etc., qui sont des agricultures de déforestation et de mécanisation, de fort niveau de mécanisation. Et aussi la Russie et tous les pays qui ont connu une phase communiste avec l'abolition des petites exploitations. Et puis, tout ça représente une trentaine de millions d'exploitations et il y en a plus de 2 milliards d'autres qui sont des agricultures de petites exploitations qui sont contenues dans des espaces limités et c'est le résultat de l'histoire et donc qui connaissent aussi un certain nombre de problèmes écologiques. Alors, qu'est-ce qui lie toutes ces agricultures entre elles? Eh bien, c'est un grand parcours, une grande trajectoire, qui est donc une trajectoire planétaire, que je voudrais résumer de la façon la plus simple possible. D'abord, en disant, bien sûr, on remonte un petit peu loin, mais qu'avant l'agriculture, il y avait la chasse et la cueillette, et c'est un grand épisode planétaire, puisque à cette époque-là, on a éliminé un certain nombre d'espèces chassés, qui étaient de grande taille, ce qui est un événement considérable quand même. Moins 10 000 premières inventions de l'agriculture dans le début du néolithique, en Mésopotamie, en Égypte et dans d'autres régions du monde. Puis l'accroissement de la population saturant progressivement la Mésopotamie, la population a commencé à entrer par le détroit du Danube dans les grandes forêts européennes, mais ayant appris dans l'agriculture néolithique à semer dans des sols nus, la première des choses qui a été faite, c'est de laminer la forêt. C'est un événement considérable dans l'histoire de la biosphère, puisque ça a influencé toute l'agriculture qui a suivi. On aurait pu inventer, comme ce fut le cas à Java et dans quelques régions indonésiennes, une agriculture qui soit de la forêt aménagée avec des niveaux de productivité à peu près équivalents à une forêt naturelle, mais ça n'a pas été le cas. Et
dans cette trajectoire, il y a eu cette grande orientation qui était donc d'éradiquer la forêt pour produire sur un sol nu. Michel, oui, excusez-moi, je me permets de vous couper un peu dans votre élan, parce que le son est quand même pas très bon, un peu inaudible. Est-ce qu'on peut essayer, on vous a envoyé un mail, je propose que vous tentiez de passer en audio avec le téléphone, si c'est possible. Mais, et pendant que vous faites la manœuvre, Christian, Valentin pourrait peut-être reprendre au bon un petit peu, je ne sais pas comment prendre au bon, en tout cas, commencer un exposé peut-être, et vous pourrez peut-être reprendre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Parce que franchement, le son est très difficile. Hein, de conforme à toute une situation, je m'adapte. Oui, je sais bien. Bonne chance à Christian, en espérant que ça... Voilà. Bon, j'ai un téléphone, mais que dois-je faire mon téléphone? Oui. Donc, Mathieu va peut-être voir avec en bilatéral avec Michel pour régler le problème du son. On va trouver une solution très rapidement. Voilà, on essaye d'avoir. Mais bon, je vais décrocher ma vidéo et je vais vous laisser présenter Christian. Très bien. Oui, j'espère que Michel pourra intervenir et continuer son exposé. Et je m'intercale donc un petit peu en donnant quelques chiffres, en fait, quelques précisions sur l'impact du modèle agricole actuel sur les sols, les eaux et l'air. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, avant toute chose, c'est qu'entre 1961 et 2018, donc pratiquement deux générations qui précèdent la période actuelle, la population est augmentée, été multipliée par 2,5, ce qui évidemment n'a jamais été observé dans l'histoire humaine, et ce qui posait dans les années 60 de grandes questions quant au risque de faim dans le monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles, j'imagine, Michel, Bernard et moi avons été tentés par l'agro, parce que c'était une des grandes questions du moment, plus que les questions environnementales, c'était la faim dans le monde. Il faut reconnaître que le modèle actuel d'agriculture a rempli sa mission d'une certaine manière, puisqu'il a permis de nourrir, bon, il y a encore près d'un milliard de personnes qui souffrent de faim dans le monde, mais malgré tout, on n'a pas connu les énormes famines qui étaient prédites à la fin des années 60 ou début des années 70. Et la production mondiale de céréales, par exemple, a été plus que multipliée par 3 au cours de cette période. Mais ça s'est fait en utilisant la fertilisation minérale qui a été multipliée par 7. Et certains modèles montrent que s'il n'y avait pas eu le procédé Haber-Bosch de synthèse de l'ammoniac pour faire des engrais minéraux, eh bien, la population actuelle ne serait pas de plus de 7 milliards, mais serait de 3,5 milliards. Donc, c'est difficile de réécrire l'histoire sans ce procédé Haber-Bosch, mais il faut reconnaître que ça a permis d'accompagner cette explosion démographique de ces dernières décennies. Parallèlement à la multiplication de la fertilisation minérale, celle des pesticides a explosé, puisqu'elle a été multipliée par 8 au cours de la même période. Les surfaces irriguées ont été multipliées par 2. Et évidemment, tout ça, ça s'est fait aux dépens des sols. Donc, Michel parlait de la déforestation, qui a été un des éléments clés du néolithique. Et cette déforestation, elle se poursuit jusqu'à nos jours, comme vous le savez. Et elle a pour conséquence de réduire le taux de carbone organique dans les sols, qui après déforestation peut chuter entre 25 et 60 %.
du fait de cette perte de carbone organique, eh bien, il y a une réduction de la structure du sol. Les agrégats résistent moins à l'impact des pluies. Il y a formation de croûtes de battance qui elles-mêmes provoquent le ruissellement et l'érosion, comme on peut voir sur cette diapo, ça c'est dans le Pays de Caux. Et on considère que l'érosion mondiale des sols agricoles représente pratiquement 10 tonnes de sol perdues par personne et par an, avec une vitesse qui est 10 fois à 100 fois plus forte que celle de la formation des sols. Un des problèmes aussi du modèle actuel, c'est que la fertilisation ammoniacale favorise l'acidification des sols. On considère que pratiquement la moitié des sols auraient déjà un pH inférieur à 5,5, ce qui entraînerait une réduction des rendements, quoi, ou du moins un plafonnement des rendements. Cette agriculture également se fait aux dépens des eaux. Vous savez tous que la fertilisation azotée et phosphatée accentue les risques d'eutrophisation des eaux, qu'il y a presque 20% des surfaces irriguées qui sont menacées de salinisation. Alors, ce n'est pas le cas encore en France, et ça pourrait le devenir, mais c'est le cas dans de grandes régions, et notamment en Asie centrale. Puis, ce qui est peut-être moins connu, c'est que l'excès de pompage pour l'irrigation, mais aussi pour les villes, pas uniquement pour l'agriculture, provoque une intrusion saline dans les nappes côtières et favorise l'affaissement des deltas, c'est ce qu'on appelle la subsidence continentale. À titre d'exemple, le delta du Chao Phraya, qui coule à Bangkok, s'affaisse tous les ans de 5 à 15 cm par an. Et c'est bien plus rapide donc, que l'élévation de la mer qui, ces dernières années, était de l'ordre de 3,4 mm, ce qui ne cesse d'ailleurs d'augmenter. Vous voyez, il y a un rapport pratiquement de 1 à 10. Évidemment, cet affaissement a des conséquences très lourdes, notamment pour ce qui concerne la salinisation des nappes. Comme vous le savez aussi sûrement, l'excès d'irrigation, notamment en Ouzbékistan, a provoqué la quasi-disparition de la mer d'Aral. C'est une des grandes catastrophes écologiques de ces dernières décennies. Et puis, si on se limite à la France, le ministère de l'écologie considère qu'il y a 92% des cours d'eau et 72% des nappes qui sont pollués par les pesticides. Là, c'est une figure que je... Qui est sorti très récemment d'un article qui porte sur la région de Cordoba au nord de l'Argentine et qui montre par exemple que les deux tiers des eaux de surface contiennent du glyphosate et le plus souvent aussi de l'AMPA qui est le métabolite du glyphosate et qui est considéré comme plus dangereux même que le glyphosate lui-même et à peu près un sixième des eaux souterraines sont également polluées par le glyphosate. Donc, ces épandages se font aussi aux dépens de l'air et de la santé. Je ne vous apprends rien, mais je vous donne quelques chiffres. On considère, ça c'est l'INRA qui le dit, qu'il y a en moyenne à peu près 50% des quantités de pesticides qui partent dans l'atmosphère, qui n'arrivent pas à la plante ou au sol. Les pesticides coûtent à peu près 3 milliards d'euros par an en France. Les gouvernements successifs ont investi 700 millions d'euros pour réduire la consommation de pesticides à travers les plans éco-phyto. Mais ces dernières années, l'utilisation des phytos continue à augmenter. Il y a eu une augmentation de 25% en France ces 10 dernières années. Une des raisons de cette augmentation, et ça pose des gros problèmes, c'est la résistance aux phytos, aux produits phytosanitaires. On l'observe déjà depuis pas mal d'années aux États-Unis. Il y a une résistance aux glyphosate, ça veut dire que
on est obligé d'apporter de plus en plus de glyphosate, ou voire de chercher d'autres herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes. Et ce sont des phénomènes qui sont tout à fait analogues à ce que l'on observe pour les antibiotiques avec l'antibiorésistance. Et puis, si l'on en croit l'INSERM, il y a des associations positives entre l'exposition professionnelle à des pesticides et certaines pathologies chez l'adulte, comme la maladie de Parkinson, le cancer de la prostate et certains autres cancers. Et vous savez que le glyphosate est considéré par l'OMS comme potentiellement cancérigène, quoi, avec de fortes probabilités d'être cancérigène. Une commission sénatoriale a considéré, évalué les coûts sanitaires liés aux phytosanitaires entre 68 et 100 milliards d'euros par an. Donc, c'est absolument considérable. Et voilà, j'en ai terminé pour cette première partie et j'espère que Michel va pouvoir continuer son exposé. Alors, je n'en sais rien, je n'arrive pas à... Ah, Michel est toujours en ligne visuelle, mais on ne sait pas plus pour le son. Alors, est-ce que ça s'est amélioré ou pas? Est-ce qu'il a réussi à faire une connexion par téléphone? Je ne sais pas. Michel, est-ce que... À peut-être réussir. Sinon, Bernard, vous prenez la suite peut-être. Et puis, écoutez, Bernard, continuez. Et puis, de toute façon, Michel devait réintervenir, donc il interviendra un petit peu plus. Donc, je vous laisse. Voilà, pour partager l'écran, vous vous souvenez, donc c'est pas trop. J'ai un problème, Hugues, c'est que je suis sur mon téléphone parce que je n'ai pas réussi à me connecter. Bien. Donc, vous voulez que je partage l'écran, votre vidéo? D'accord, merci. Très bien. Pas de souci. C'était prévu comme ça, on va y arriver. En introduction, je voulais dire que, alors moi je ne suis pas de Grignon, je suis passé par l'école normale supérieure, donc plutôt les sciences, donc je suis un produit plutôt universitaire qu'agronomique. Mais j'ai fréquenté des agronomes tout au long de ma carrière à l'INRA, je suis allé à Grignon un certain nombre de fois, donc... Je soutiens sans réserve l'action qui est menée en faveur de Grignon. Mon job ici, c'est de parler un peu d'agriculture, effet de serre, son rôle, et puis comment est-ce qu'éventuellement l'agriculture pourrait s'améliorer par rapport à l'effet de serre. Est-ce qu'on peut projeter genre, Oui, j'y arrive. Voilà. Un petit peu de temps parce que oui. À partir du début, voilà, que j'ai une diapo, mais j'aimerais pas ça. Pourquoi on me fait ça? je vais y arriver. D'accord, très bien. Donc, écran partagé. Et c'est l'écran 2, voilà. Sur le plan du son, vous m'entendez correctement? Oui, ça va. C'est peut-être pas aussi clair que pour Christian, mais ça devrait le faire. Allez. Donc, vous avez à l'écran maintenant le document, donc vous me dites au fur et à mesure.
Donc là, j'ai représenté les trois principaux gaz à effet de serre. C'est un exposé d'abord général. Donc le gaz carbonique qui, comme vous savez, augmente et continue d'augmenter de façon importante. Donc à gauche, on a l'augmentation depuis 1985 jusqu'à 2017, quelque chose comme ça, 2018. Donc, le CO2 a augmenté. Alors, on sait aussi par l'analyse des gaz dans les carottes glaciaires qu'à l'époque pré-industrielle, donc vers 1750, le CO2 était seulement de 280 parties par million en volume. Il est actuellement, j'ai mis 405 pour 2017, il doit être maintenant 410 ou quelque chose comme ça. On remarque aussi sur la figure de droite, toujours par rapport au CO2, que les variations, l'augmentation de cette concentration est très, très variable selon les années. Il y a des années comme 1998 où ça a peu augmenté, mais globalement, eh bien, on s'aperçoit que le taux d'augmentation continue d'augmenter de plus en plus. Ça augmente actuellement d'un peu plus de 2 ppm par an, de 2,5. Pour le méthane, c'est à peu près la même chose. On est parti de 700, alors là, c'est des parties par billion, parties par milliard en français. Donc, c'est un gaz en moindre concentration et on est actuellement vers 1860. Et vous voyez qu'il y a eu une diminution de l'augmentation du méthane qui était assez forte et puis maintenant on est revenu à des augmentations malheureusement toujours continues. En ce qui concerne l'oxyde nitreux N2O, donc l'augmentation est elle de manière vraiment très continue de 150 à 330 parties par million. Et le taux d'augmentation a aussi quelques variations qui sont un peu conformes à celles du CO2. Alors, de ces trois gaz, l'agriculture est responsable pour certains. On va voir ça sur la deuxième diapo. Est-ce qu'on peut passer la deuxième diapo, Hugues ? Merci. C'est celle-là, tout à fait. Alors, ici, on voit ce qu'on appelle le forçage radiatif additionnel. Alors, c'est un terme un peu barbare, technique, mais qui veut dire que dans l'effet de serre, il y a des gaz naturels qui existent indépendamment de l'homme, comme la vapeur d'eau, le CO2, il y a aussi toujours un petit peu de méthane, mais ça, c'est ce qui existait donc avant l'époque industrielle. Et puis, depuis l'époque industrielle, donc, il y a cette croissance de CO2, du méthane, de N2O, puis d'autres gaz à effet de serre. Et ces gaz, donc, on peut calculer leur effet radiatif, c'est-à-dire l'importance qu'ils ont dans l'absorption du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre. Donc, vous voyez que le CO2, c'est l'essentiel, 71%. Le méthane, 18%, l'oxyde nitreux, 7%. Et les autres gaz à effet de serre, 4%. Et j'ai mis dans la légende le fait que l'agriculture ainsi que le domaine forestier, eh bien, ça compte pour 13% de l'augmentation du CO2. 44% de l'augmentation du méthane, essentiellement par les ruminants et puis aussi les cultures de riz. Et l'oxyde nitreux, bien c'est 82% de l'agriculture qui en est responsable, avec essentiellement les engrais. En tout, si on combine ça avec le forçage radiatif, on s'aperçoit que l'effet de serre additionnel au niveau global, donc pour l'ensemble de la planète, ça représente 12 gigas, c'est 23% de l'effet de serre additionnel, donc, ou encore 12 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an. C'est évidemment considérable. Alors, pour la France, on peut regarder ça sur la diapo suivante. Pour la France, c'est
un peu moins, mais c'est très comparable. Il y a à peu près un peu moins de 20%. Donc, la France émet par le secteur agricole 87 millions de tonnes de CO2. C'est à peu près 19% du total qui est émis. Il y a une baisse légère depuis 1990, 8% de moins. Et j'ai ajouté qu'il y a beaucoup de chemin à faire si on veut atteindre la réduction qui a été impulsée par l'Union européenne, par Ursula von der Leyen, qui est une réduction de 55% en 2030 par rapport à 1990. Donc, vous voyez qu'on est assez loin du compte pour le moment dans notre secteur. Et j'ajoute, plus de réduction souhaitée, c'est-à-dire qu'en fait, ce serait bien qu'on fasse davantage, c'est-à-dire qu'on utilise les puits de carbone potentiels qu'il y a à la fois dans les sols et dans les forêts pour pouvoir arriver à cette baisse des gaz à effet de serre. Alors ensuite, bon, j'ai voulu essayer de regarder quelques solutions, mais je pense que Christian Valentin va en parler aussi. Allons d'abord les productions agricoles naturelles. Alors oui, ça c'est une chose qui m'a intéressé. Si on regarde le rendement moyen des céréales, blé, maïs et riz, alors en moyenne c'est 4 tonnes par hectare, peut-être un tout petit peu plus à l'heure actuelle. Et c'est cultivé, ces trois céréales, sur à peu près un tiers de la surface agricole de culture dans le monde. Si on multiplie ces 4 tonnes par un facteur 2 pour avoir à peu près la production de matière sèche de la plante, on tombe sur à peu près 8 tonnes. Ça peut être 9, ça peut être 20, et éventuellement 10. Et ce que je veux signaler, c'est que les écologues, donc, ont cherché à estimer la production primaire moyenne sur l'ensemble des écosystèmes continentaux et on arrive à un chiffre qui est pratiquement le même. Alors, la question, c'est que on a fait, et Christian Valentin l'a bien rappelé, on a fait énormément de progrès dans les rendements agricoles, multipliés par 3 en l'espace de 50 ans, etc. Et on atteint quand même juste à peu près la production des écosystèmes naturels. Alors, comment ça se fait qu'on ne fait pas mieux? Et une des explications, bon, j'ai ça sur la figure suivante, je ne dis pas que c'est la seule, mais c'est une des explications. Si on compare le rayonnement solaire qui est intercepté par 3 types de végétation, alors là, j'ai marqué en haut un blé en vert, une chênaie en bleu, ça c'est toujours dans la région Île-de-France, et puis un maïs en rouge. Donc, en haut, c'est la fraction du rayonnement qui est interceptée. Donc, quand on est proche de 1, ça veut dire qu'on a un couvert de feuilles qui intercepte à peu près toute la lumière. Puis quand c'est proche de 0, ben, ça veut dire que c'est du sol nu. Et si vous combinez ça avec le rayonnement global, donc ça, c'est les variations du rayonnement, c'est le total mensuel en fonction des jours de l'année, donc de 0 à 365, on s'aperçoit que le blé intercepte du rayonnement pas mal jusqu'en début d'été à peu près. Mais après, ben, le sol est plus ou moins nu, ou alors le maïs, lui, il intercepte à un moment où le rayonnement a commencé déjà pas mal baisser. Et la forêt de chêne, elle intercepte un peu tardivement, les feuilles de chêne ont tendance à pousser un peu tardivement vers entre 15 et 30 avril, quelque chose comme ça. Mais après, on a une interception du rayonnement qui est à peu près totale pendant toute la période. Donc, c'est une réflexion vraiment de physicien vu de loin. Si on arrivait à davantage couvrir le sol, eh bien, on aurait une production mieux répartie au cours de l'année. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec plusieurs productions dans les systèmes tropicaux.
Bon, là, je ne sais pas si c'est la peine d'en parler déjà maintenant ou bien... Oui, on va peut-être laisser... Alors, je ne sais pas si je suis en ligne. On va peut-être tenter d'avoir Michel pour poursuivre. Michel, est-ce que vous avez réussi à faire une connexion par... Non, je n'arrive pas à faire une connexion par téléphone. Aïe. Ah. Bon, c'est, on va essayer de gérer. Mathieu, tu, j'imagine, tu as le contact direct téléphone de Michel, peut-être, pour l'appeler. Je vais faire ça, mais est-ce que tu peux lui transférer le dernier mail que tu viens de recevoir? Normalement, il y a les bons codes de connexion. Qui s'appelle confirmation de l'agroforum, c'est ça? Exactement. Bon, je transfère. Michel, n'hésitez pas à m'appeler si vous n'y arrivez pas. Oui, mais rappelez qui, quel numéro? Là, vous allez avoir le numéro avec votre numéro de conférencier. Oui, j'ai le numéro de conférencier. J'ai l'idée du web séminaire, mais j'ai pas de numéro de téléphone ou appeler. Parce qu'il y a un numéro aux États-Unis. Voilà. Ouais, ouais, non, c'est compliqué de parler des US. Il y a un numéro effectivement à trouver en France. C'est vrai. C'est un peu le problème de voilà d'être sur un outil américain. Bien. Bon, on va laisser encore Mathieu et Michel essayer de trouver une solution et puis peut-être poursuivre. La discussion avec Christian, et puis voilà, parce que pour l'instant, c'est difficile de faire intervenir Michel. Christian, je vous laisse, voilà, la discussion. Donc, je rappelle, donc, effectivement, Bernard a commencé à esquisser, vu du physicien, c'est comment il voit des solutions à agricoles. Maintenant, est-ce que l'agronome a une vision un peu plus, quelques idées plus précises sur ce qui peut être une agriculture non plus écologique? Je vous donne la parole. Merci. Donc, on saute tout de suite à la deuxième partie qui était prévue. Vers une agriculture plus écologique. J'espère que Michel pourra intervenir parce que c'est lui qui est le plus oui. grand. Je ne sais pas si... En tout cas, pour moi, maintenant, c'est fort et clair. Ah oui, oui. C'est bon. Autant que tu prennes la parole. C'est bien, très bien. Bon, ben alors, on peut laisser la diapo vers une agriculture plus écologique, mais Michel, vous pouvez... reprendre votre fil, peut-être très rapidement. Voilà. Je vais le faire sans consulter mes notes. Ce que je voulais essayer de montrer, c'est que les problèmes de l'agriculture peuvent être lus à travers un prisme écologique, de la science écologie. Au fond, il y a eu une grande bifurcation dans l'histoire de l'agriculture qui est qu'on a éradiqué la forêt pour installer des plantes annuelles en grande partie. Et installant des plantes annuelles, la deuxième année de culture a été investie par ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les adventices, c'est-à-dire la stratherbacée, qui nous vient tout droit de la dernière déglaciation. Et le grand problème de l'agriculture a été dès lors de contrôler cette stratherbacée et de faire en sorte que l'on cultive les plantes qu'on veut cultiver, qu'on ne cultive pas celles qu'on ne veut pas. Et la seule solution que l'on ait trouvée, c'est le travail physique du sol, qui est un travail qui demande beaucoup d'énergie.
Et l'énergie qu'on a trouvée, c'est l'énergie des bœufs et des chevaux, principalement des bœufs. Toute l'agriculture de l'Empire romain était à base de traction animale. Et cette traction animale a un coût au XVIIIe siècle. Pour alimenter les bœufs qui représentaient la force de traction, il fallait consacrer un tiers de la seule végétale. Donc on sacrifiait un tiers de l'alimentation humaine pour alimenter des bœufs qui faisaient le travail de traction animale pour pouvoir éradiquer les mauvaises herbes tous les ans. Et c'est un drame terrible historiquement pour l'agriculture, puisque cette contribution énergétique de l'agriculture était tout à fait considérable. Ce qui a transformé à nouveau, ce qui a fait rebondir l'agriculture, c'est le pétrole. Parce que le pétrole a remplacé les bœufs et les chevaux. Mais en introduisant de l'instant qu'on brûle de la matière organique du carbonifère, en injectant donc dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. C'est ça principalement que je voulais dire. Autrement dit, l'agriculture est en interaction complète avec le climat de façon gigantesque. Mais en plus de ça, puisque la population humaine augmente et que l'on doit accroître les surfaces cultivées, on continue à déforester, donc alimenter le stock des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En plus, on réduit la biodiversité puisqu'on transforme des paysages qui étaient des écosystèmes hérités de l'histoire de l'écologie en agro-écosystèmes qui sont des écosystèmes ultra simplifiés puisqu'on élimine une grande partie des plantes naturelles et que l'on cultive des plantes que l'on tient à cultiver pour s'alimenter. Ensuite, on intervient sur les sols, puisque de sols non cultivés dans la biosphère, on passe à des sols travaillés presque tous les ans dans un certain nombre de climats. C'est ce que vient de dire la question. Donc, c'est aussi une transformation considérable de la biosphère. Et il y a bien sûr l'arrivée de la chimie pour les engrais, l'arrivée de la chimie pour contrôler la strate herbacée et les herbicides, pour contrôler les insectes, les insecticides, pour contrôler les champignons, les fongicides. Et la chimie a été un autre choc pour les écosystèmes. Et je termine en disant que dès lors, l'agriculture apparaît, et on ne s'en prend pas vraiment compte, mais apparaît comme la transformation la plus radicale qui soit de la biosphère planétaire, à telle enseigne que l'on devrait plutôt parler d'agrobiosphère plutôt que de biosphère. Et le mouvement est lancé, c'était un mouvement à lourde inertie et qui ne se change pas simplement. À telle enseigne aussi qu'on pourrait aller plus loin qu'agrobiosphère, c'était le terme qu'on avait employé pour lancer des appels d'offres à l'Agence nationale de la recherche. Question Valentin s'en souvient sans doute. Mais on peut utiliser le terme anthropobiosphère parce que ça dépasse l'agriculture. C'est l'homme, c'est l'espèce humaine qui est en train de transformer fondamentalement la planète en grande partie par l'agriculture et par une autre partie par les transports. Donc, si Grignon doit servir encore à quelque chose, pour ma part, je souhaiterais que ce soit un lieu où l'on dise qu'il faut parler plus d'écologie que d'agronomie, sans abandonner l'agronomie, ou d'ingénierie écologique, de façon à bien embrasser la totalité de ces problèmes de transformation radicale de la biosphère au XXIe siècle. Voilà. Merci d'avoir synthétisé déjà un propos qui déjà était forcément succinct du fait du formatage de notre conférence. Je suis désolé parce que le son s'est malheureusement dégradé au fur et à mesure.
On va peut-être. C'est comme la biosphère. C'est comme la biosphère, oui. Alors, on va peut-être laisser reposer, alors du coup, quelques temps, une sorte de jachère. Et peut-être que ça reviendra bon. Christian, vous voulez peut-être prendre un petit peu la balle au bon et nous parler un peu des pistes qui seraient intéressantes de voir, en fait, les effets qui pourraient être améliorés, moins négatifs, peut-être. Positif qu'on peut trouver dans une agriculture plus écologique. Oui, bien volontiers. Je vais m'appuyer sur quelques principes qui ont été énoncés très récemment, puisqu'il s'agit d'une réunion, une trentaine de personnes, réunion virtuelle évidemment, organisée par Future Earth avant-hier et hier. Donc c'est tout récent. Et ce sont quelques principes qui ont fait ces consensus parmi les participants, qui étaient d'origine très diverse. Hein. Il y avait des urbanistes, des économistes, etc. Et des agronomes quand même aussi. Donc, parmi les pistes qui existent pour rendre l'agriculture plus écologique, et l'objectif de cette réunion de Future Earth, c'était d'essayer de définir un scénario qui permette justement d'atteindre l'objectif de réduction des gaz à effet de serre de la France en 2030. Eh bien, c'est évidemment d'augmenter la restitution de la matière organique dans les sols. Vous avez dû entendre parler de l'initiative 4 pour 1000 qui a été lancée par la France au niveau international en 2015, qui consiste à considérer que si l'on augmente le taux de matière organique du sol de 4 pour 1000, eh bien on devrait pouvoir contrebalancer les excès d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour cette restitution, il faut évidemment veiller à ce que certains défauts soient corrigés, en particulier éviter qu'il y ait une concurrence d'usage des terres, comme on commence à le voir en France, notamment entre la production de biomasse pour l'énergie ou pour d'autres produits biosourcés. Ça va devenir une des questions les plus importantes probablement dans les prochaines décennies, c'est que Michel a rappelé l'importance du pétrole dans notre économie, et on va être obligé de remplacer le pétrole, ne serait-ce que pour des raisons de limitation de gaz à effet de serre. Une des voies, c'est d'utiliser la biomasse. On a tous entendu parler des plastiques, de la pollution par les plastiques. Bien, une des voies, c'est d'utiliser des produits végétaux pour produire de nouveaux plastiques ou des substituts au plastique. Donc, il va y avoir de plus en plus une concurrence des terres entre la production agricole alimentaire, si je peux dire, et la production d'autres produits qu'on appelle les produits biosourcés, dont la biomasse énergie. Et un des problèmes de la biomasse énergie, c'est que l'on récolte la plante entière. Je pense particulièrement au taillis à très haute fréquence, où on coupe les taillis tous les 3-4 ans, et on ne restitue pas justement la matière organique au sol, sauf via les racines. Donc c'est un des points très importants, c'est de veiller à la restitution suffisante de matière organique, parce que dans certains cas, ce que l'on pense être le remède risque d'accentuer les problèmes. C'est le cas notamment souvent de la biomasse énergie. Il va falloir aller aussi vers plus de valorisation des biodéchets pour l'agriculture, hein, c'est notamment à travers les compostages, etc. D'une manière générale, les résidus organiques, alors qu'ils soient d'origine urbaine ou agricoles, ne sont pas suffisamment valorisés, alors qu'ils l'étaient, vous savez, autrefois, à travers les fumiers, par exemple. Ça va être une voie très importante, certainement, d'amélioration du stock de matière organique dans les sols, à travers ce qu'on appelle, vous savez, l'économie circulaire.
Il va falloir bien sûr revenir à des pratiques de conservation des sols qui sont d'ailleurs les mêmes que ceux d'amélioration du taux de matière organique dans les sols. Je vous ai dit au départ que le défrichement entraînait une baisse de niveau de matière organique, ce qui entraînait, ce qui favorisait l'érosion. L'inverse est vrai, hein, quand on réaugmente le taux de matière organique, on a de fortes chances d'améliorer la résistance à l'érosion. Et là, les pratiques sont assez nombreuses, hein, elles ont déjà été évoquées par Michel. Il y a par exemple la réduction du travail du sol. On pourra discuter éventuellement de l'agriculture de conservation plus tard, si vous le voulez. Il y a les techniques d'agroforesterie, c'est ce qu'évoquait aussi Michel tout de suite, hein, de laisser l'arbre dans le paysage. Bon, ce sont des techniques qui existaient. La plupart des techniques d'ailleurs que j'évoque ici sont des techniques qui existaient. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas vraiment parler d'innovation. Ce sont des techniques qui existaient en fait jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale d'une manière générale. L'utilisation de rotations, notamment avec des légumineuses, et des rotations à la fois dans l'espace et dans le temps, et dans les paysages. Et un des maîtres mots qui est sorti au cours de ces deux journées, c'est la diversification. Diversification également des couverts, diversification des productions. Comme vient de le dire aussi Bernard Saugier, il est très important pour produire de la biomasse de maintenir des couverts végétaux, évidemment, si possible tout le long de l'année, comme vient de le dire Bernard Saugier. Alors, c'est à la fois l'intérêt de lutter contre l'érosion des sols, ça paraît évident, mais aussi de piéger les nitrates, et vous êtes certainement au courant des cipans, les cultures intermédiaires pièges à nitrates qui appartiennent à la directive nitrate européenne qui a été mise en place, si je me souviens bien, en 2011 et qui a des vertus tout à fait intéressantes en termes de conservation des sols aussi, puisque les sols sont couverts pendant la saison pluvieuse, la saison hivernale, disons, en France. Mais ça peut poser des problèmes. Dans certaines régions, ce couvert végétal évidemment une ETP, une évapotranspiration élevée, et donc ça peut poser des problèmes de ressources en eau, et notamment pour ce qui concerne les eaux souterraines. Et puis, comme on l'a dit aussi ces derniers jours, le monde agricole, c'est celui qui est le plus rétif aux lois, et par exemple dans le sud-ouest, on observe énormément de dérogations préfectorales pour ce qui est de l'application de la directive nitrate, par exemple. Donc, parmi les autres grands principes, on a dit qu'il y avait une utilisation massive des pesticides et qui est de moins en moins acceptée par la société. On est tous au courant de tous les grands débats actuels qui traversent la société française, notamment. Alors, en principe, ça devrait être bon pour la santé, pour la biodiversité, et puis ça devrait diminuer tous les coûts cachés des phytos, hein, à travers notamment le développement de l'agriculture biologique et de toutes les pratiques agroécologiques. Ce qui est important aussi, c'est de reconstituer des mosaïques paysagères pour la biodiversité, l'eau et les sols, hein, comme les bocages, par exemple, qui existaient et qui existent encore un petit peu, mais vous savez qu'ils ont été en grande partie détruits à partir des années 60 en France. Et puis, alors peut-être que ça vous fera sourire de voir apparaître ça dans l'agriculture écologique, mais on peut penser aussi que pour remplacer les herbicides, eh bien on revienne à un désherbage mécanique, mais qui ne soit pas par le travail du sol cette fois-ci, mais en utilisant des robots, par exemple, qui seraient capables de distinguer le bon grain de l'ivraie. Michel Griffon disait que le problème, c'est que justement, on a du mal à distinguer la plante cultivée des adventices, et bien avec des nouveaux capteurs dont les prix ne cessent de diminuer, il semblerait être une voie tout à fait intéressante.
d'une certaine manière, on peut dire que l'agroécologie, ce n'est pas nécessairement le retour aux années 50, voire à l'agriculture Amish, pour utiliser l'expression de quelqu'un, mais c'est aussi mobiliser toutes les nouvelles technologies, voire l'intelligence artificielle, les drones, etc. Et puis, une des clés, très certainement dans les années à venir de l'avenir de l'agriculture, au moins en France, voire dans le monde, c'est la coexistence d'une variété d'agriculture. Il y aura certainement encore pendant... alors, c'est difficile de savoir quelles sont les proportions, mais il y aura une coexistence certaine entre plusieurs types. Alors, l'agriculture intensive telle qu'on la connaît, qui subsistera certainement au moins un certain temps, ne serait-ce que pour l'exportation, dans la mesure où de nombreux pays, particulièrement d'Afrique du Nord, mais aussi du Moyen-Orient, importent une bonne partie de la production française. Et vous savez que des pays sont très dépendants de cette agriculture française. Donc, nous avons un certain devoir, probablement, d'exportation vis-à-vis de ces pays-là. Une des questions très importantes aussi, c'est l'accès à des semences diversifiées. À l'heure actuelle, le nombre des semenciers est très réduit. Vous savez qu'autrefois, c'était dans les mains de l'INRA, quoi, d'une puissance publique. C'est passé dans les mains du secteur privé et ça réduit considérablement l'accès à des semences diversifiées. À titre d'exemple, pour la nécessité de diversité, à l'heure actuelle, dans le domaine forestier, 80% des reboisements restent monospécifiques, donc d'une seule espèce, au lieu d'être plurispécifiques, comme le voudraient des pratiques plus écologiques. Et puis... si l'on observe aussi l'évolution des systèmes agricoles de ces dernières années, on peut imaginer que les Français attachent de plus en plus d'importance à la qualité des produits qu'ils consomment. Et on voit l'engouement pour les produits bio, l'engouement pour les circuits courts. Et si on prend l'exemple du vin, par exemple, La consommation de vin en France était de 128 litres par personne en 1960, elle n'est plus que de 42 litres. Et parallèlement, le prix de la bouteille de consommation courante a été multiplié par 10. Et à l'heure actuelle, les ménages français consacrent 14% de leurs revenus pour l'alimentation, alors que ce n'est que 7% aux États-Unis. Donc, quoi, comparaison n'est pas raison, mais ça montre quand même que les Français attachent encore une certaine importance à la qualité de leur nourriture. Puis je terminerai par cette diapo qui est directement inspirée du rapport du GIEC sur les terres qui est paru en 2019, qui me paraît intéressant parce qu'il liste à gauche, vous voyez dans la colonne de gauche, un certain nombre de pratiques qu'on peut qualifier d'agroécologique, de manière générale, mais ces pratiques sont vues à l'aune de la sécurité alimentaire, de la dégradation des terres ou de la désertification, et ce qui est évidemment, les pralines, vous voyez, sont tout à fait favorables, celles que j'ai pu citer, mais il y en a d'autres qui posent problème pour ce qui est de la sécurité alimentaire. Là, je parle de la sécurité alimentaire mondiale. Par exemple, la reforestation, évidemment, a priori, on est tous pour, mais si c'est pour se faire aux dépens de la production agricole, ça peut poser des problèmes. C'est la même question peut se poser sur le moindre retournement des prairies. Hein, quand on transforme une prairie en terre cultivée, évidemment, il y a moins de production de céréales, par exemple. Et puis, les problèmes se posent encore plus pour l'afforestation, c'est-à-dire lorsque l'on transforme des terres cultivées en terres, disons, plantées, plutôt que forestières, parce que c'est souvent, en fait, pour planter du palmier à huile, de l'EVA ou du teck, qui, nous avons pu le montrer nombreuses reprises, ne favorise pas du tout l'amélioration des stocks de matière organique, et, au contraire, a tendance à favoriser l'érosion, au moins sur forte pente en Asie du Sud-Est.
Et puis, la bioénergie que j'ai déjà évoquée, avec des problèmes de concurrence, évidemment, avec la production alimentaire. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Et donc, Michel ou Bernard vont pouvoir prendre le relais. Bernard peut éventuellement, et puis après nous demanderons peut-être à Michel d'être un peu plus dans le conclusif et puis nous parler un peu de, alors que on a montré là qu'il y avait à la fois de l'innovation mais aussi une reprise d'un certain nombre de pratiques qui existaient. Je sais que Michel défend un peu l'idée qu'il y a besoin d'un changement de paradigme. Donc j'aimerais bien l'entendre à ce sujet, mais peut-être Bernard, vous pouvez peut-être poursuivre en un peu la discussion et la présentation un petit peu large de ce que des différentes pistes que l'on peut faire pour avoir une agriculture plus écologique, focalisant sur les pratiques qui ont des vertus vis-à-vis de l'effet de serre et de l'amélioration. Donc éventuel du rôle que peut jouer l'agriculture pour moins émettre de gaz à effet de serre, mais peut-être aussi améliorer la captation carbone. Je vais peut-être pour cela repartager peut-être. Vous avez deux diapos là, je vois. C'est pas vraiment indispensable parce que. Oui. Mais... Bah alors, je vous laisse peut-être le présenter alors comme ça, oui. Oui, mais. Les deux diapos que j'avais étaient assez redondantes avec celle de Christian, donc je pense qu'il a bien présenté ça. Très bien. Donc je vous laisse. Oui, je voulais rajouter juste une ou deux petites choses. Si on compare un écosystème naturel avec un agrosystème, il y a une chose qui est assez frappante, c'est que d'un écosystème naturel ou proche d'un écosystème naturel comme une forêt feuillue, par exemple, c'est qu'il y a un fort taux de recyclage des éléments minéraux. Il y a si on recueille l'eau qui coule sous une forêt, l'eau de drainage, bon, il y a quelques éléments minéraux encore qui subsistent, mais il n'y en a finalement pas beaucoup, et l'essentiel a été recyclé pour la croissance de la forêt. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a intérêt à s'inspirer un peu de ce recyclage dans les systèmes agricoles, et notamment en favorisant les symbioses. Alors, on a découvert dans les dernières décennies que finalement, presque toutes les espèces, y compris les espèces agricoles, entretenaient des mycorhizes, c'est-à-dire qu'il y avait des champignons qui étaient capables d'entrer en symbiose donc avec les racines des plantes cultivées. Et je pense que c'est une voie qui est encore insuffisamment explorée, qu'on pourra explorer davantage. Alors l'autre, on la connaît bien, c'est la fixation d'azote, donc les symbioses avec des organismes fixateurs. C'est vrai pour les légumineuses, mais c'est vrai aussi pour certaines espèces d'arbres. Il y a des espèces non légumineuses comme les aunes qui sont capables aussi de fixation d'azote avec un champignon qui s'appelle Frankia. Donc, bon, il y a de quoi faire, je pense, de ce point de vue. Si on regarde aussi, alors là je prends un point de vue encore un peu plus futuriste. Si on regarde ce qui va se passer dans les prochaines décennies et les problèmes de concurrence d'usage, ce serait évidemment très, très dommage de mettre en concurrence la production de biomasse avec la production d'alimentation, ce qui est en train de se faire même dans un pays comme la France. Ça se fait aux États-Unis avec le maïs, ça se fait même, on peut dire, même en Allemagne. Il y a beaucoup d'installations de méthaniseurs qui utilisent du maïs grain pour pouvoir nourrir ces méthaniseurs. C'est clairement pas tellement la voie qu'on voudrait suivre. Ce que je voulais dire, c'est que
il y a un domaine, alors on sort de l'agriculture proprement dite, mais il y a un domaine qui a été encore peu exploré, c'est les océans, c'est reconstituer des écosystèmes dans les océans. Vous savez que les océans, c'est essentiellement un désert, parce qu'il n'y a pas d'éléments minéraux dans la surface des océans, sinon au voisinage du plateau continental, dans quelques zones d'upwelling où les éléments sont remontés. Et quelques personnes ont eu l'idée d'essayer de développer des systèmes où on nourrirait des algues avec des éléments minéraux pompés en profondeur dans les océans, de façon à fertiliser en quelque sorte et à démarrer une sorte d'agriculture des océans comparable à ce qui se passe dans les continents. Est-ce que ça se développera? Je ne sais pas, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais c'est une voie qui m'a semblé intéressante. Allô? Oui, voilà. Oui. Donc, je merci d'avoir donné plus futuriste et très intéressant, mais il y a déjà beaucoup de choses à faire dans ce qu'a évoqué Christian et puis même que vous avez réévoqué Bernard, et il y a effectivement des pistes qui peuvent être explorées actuellement ou développées actuellement qui ne sont pas forcément des solutions véritables. Il y a des bilans à faire et il y a des choix peut-être aussi à faire dans les aides en particulier qui sont données, puisque une des clés quand même d'orientation des productions ou des innovations ou des projets comme la méthanisation, c'est aussi beaucoup les aides, et en particulier les aides européennes. On peut quand même se poser un certain nombre de questions sur l'évaluation et la manière d'utiliser ces aides. C'est un petit aparté qui est un peu plus de ma partie, mais est-ce que je peux dire une chose sur les aides? Oui, bien sûr. Il y a des entreprises actuellement qui cherchent à améliorer leur image, et c'est bien sûr des compagnies pétrolières, mais c'est aussi tout un tas d'entreprises qui émettent pas mal de CO2 à cause du transport, notamment du coût du transport, et qui seraient très très contentes si elles pouvaient verdir leur image en consacrant une partie de leurs bénéfices à financer des opérations de stockage de carbone, que ce soit dans les sols, dans les forêts, dans l'océan, n'importe où, si ils étaient absolument persuadés que ces opérations sont effectivement réalistes. Donc, je voulais dire que de l'argent peut peut-être en trouver à condition de monter des projets qui aient suffisamment de réalisme. Voilà. Bon, ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds, je pense. Michel, est-ce que on peut voir si le son s'est amélioré? Peut-être, vous avez sûrement plein de choses à dire, donc je vous laisse la parole. J'en choisis une parmi d'autres remarques. Personnellement, je rêve de voir un travail pluridisciplinaire sur, à l'échelle de la planète, sur des perspectives des grands cycles biogéochimiques. Bien sûr, le carbone, mais l'azote, mais le phosphore qui va poser un problème considérable à long terme, et d'autres encore. Je donne un exemple, parce que le problème qu'on va rencontrer, qui est extrêmement difficile, c'est de balancer les objectifs. Par exemple, en matière de politique alimentaire, soit on a comme objectif de continuer à nourrir les porcs et les volailles avec des céréales et des oléoprotéagineux qui sont extrêmement coûteux en production d'énergie, qui sont qui contiennent beaucoup d'énergie. Ou est-ce qu'on arbitre en faveur de la consommation humaine directe de ces produits? Quelle est la balance qu'il faut faire entre
les animaux monogastriques et les polygastriques, sachant que pour les polygastriques, on concevrait très bien qu'il faille utiliser en priorité les terres pour lesquelles le meilleur usage, c'est les herbacées, les végétaux, et qu'il faille, par exemple, trouver un arbitrage pour qu'on conserve bien les sols avec des pâturages, qu'on fasse le calcul de la quantité de bovins, de vins que tout ça peut porter et ce que ça donne en termes de bilan alimentaire pour les humains. Faire des calculs aussi plus largement sur l'anthroposphère, sur l'utilisation de la biomasse cultivée et de la biomasse naturelle, sachant que il y a des arbitrages à faire entre la biomasse cultivée pour des raisons, pour des motifs énergétiques, pour des motifs alimentaires ou autres. C'est un calcul assez compliqué et qui devrait être à la base d'une réflexion générale sur les priorités. Par exemple, selon les équilibres que l'on souhaite, on peut aller beaucoup plus vite sur l'utilisation de l'hydrogène pour les transports, pour bypasser la phase pendant laquelle on considérait qu'il faut une transition biomasse agricole pour faire de l'énergie. Ce travail, à ma connaissance, n'a pas été fait et il n'y a pas de commande publique pour qu'il soit fait. Personnellement, j'avais travaillé sur des orientations de recherche à Bruxelles sur cette question et ça n'a rien donné, ça n'a pas éveillé d'intérêt chez les bailleurs. Voilà une remarque parmi d'autres qu'on peut faire sur la place de l'agriculture par rapport aux autres activités économiques et les éléments de bilan qu'il faut en tirer. Bien, merci beaucoup d'avoir fait court encore. Malheureusement, le son n'est vraiment pas bon. Je propose que l'on écoute un peu, parce que pendant que vous nous présentiez, nous exposiez un petit peu tous les points qui ont été abordés et qui sont très, 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 très riches et divers, nous avions beaucoup de commentaires et de questions. Donc, ce n'est pas simple à essayer de dégager des points et sur lesquels on va pouvoir continuer à discuter. Mais peut-être que Marlène ou Mathieu pourraient nous faire un peu part des échanges qui sont donnés et si finalement ça peut être des questions. Marlène ou Mathieu. Mathieu. Voilà. Alors il y avait une première remarque ou question qui se posait la question de est-ce que les zones de culture, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont un pH supérieur à 5,5. Ils disent que globalement, à part hors prairie, il n'y a pas beaucoup de zones de culture qui sont avec un pH de 5,5. Est-ce que vous pourriez commenter ce... Oui, j'ai déjà répondu dans le chat. Hein. Ouais. C'est une donnée qui est au niveau mondial, qui ne s'applique pas à la France. J'ai précisé que les problèmes les plus sérieux se posent notamment en Australie. Ensuite, on avait des remarques sur le fait que les pesticides sont extrêmement nocifs, enfin sur l'environnement et la santé, en disant aussi que le glyphosate, c'est pas le problème majeur de la composition de l'herbicide, parce que c'est les effets sur la nature qui sont déplorables. Peut-être que je traduis mal, mais là, en tout cas, c'était des remarques sur le
le problème de l'utilisation des pesticides. Et ça, et si vous voulez préciser votre question, il y en avait une qui était plus claire. Alors attendez, je vais la retrouver. Dans les principes qui permettent d'aller vers une agriculture plus écologique, vous n'avez pas parlé du métier d'agriculteur et de la forme des exploitations agricoles. Et du coup, l'une des suggestions, c'est est-ce que les groupements d'agriculteurs ne peuvent pas être une solution pour l'avenir en termes d'agriculture plus écologique? Michel? C'est à moi de poser la question. Je ne sais plus à qui elle posait la question à ce moment-là. J'ai un peu répondu dans le chat aussi à ce propos. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Et c'est ce que j'ai entendu les jours précédents, c'est qu'il y avait effectivement de nouvelles formes de groupements d'agriculture, et notamment des néo-agriculteurs, si je peux utiliser ce terme-là, des citadins qui deviennent agriculteurs et qui sont fermants d'innovation généralement. Et il arrive qu'ils se groupent à plusieurs agriculteurs avec chacun une spécialité bien marquée. Et donc, ça favorise aussi la diversification des productions dans une région. Est-ce qu'une sous-jacent à cette question, il n'y a pas le fait qu'il y a nécessité d'avoir finalement une plus grande diversité d'activités agricoles finalement dans une exploitation, un peu comme on pourrait dire finalement, c'est bien d'avoir de l'animal un atelier d'élevage, parce que ça permet d'avoir du fumier, qui permet de pouvoir après donner, de réintroduire finalement une notion de polyculture élevage, surtout si en plus on rajoute un peu d'agroforesterie, on a peut-être la nécessité d'avoir plus d'espace finalement occupé et donc plus de personnes qui vont chacun s'occuper. Ça peut être donc prendre la forme de groupement. Je me souviens de formules qui ont été évoquées, je pense en Limousin, mais aussi en Pays Basque, où on avait des corporations plus ou moins en groupement d'alliances entre des éleveurs et des producteurs de grandes cultures. Donc voilà, est-ce que ce n'est pas ce genre de piste qui est évoquée aussi, finalement? Si je peux dire quelque chose, si je suis audible, il y a, d'un point de vue strictement écologique, ce qui semble maintenant acquis, c'est que des rotations ou une certaine diversité des productions agricoles sont nécessaires pour avoir des marges de manœuvre suffisantes pour gérer écologiquement un terroir. Par exemple, si l'on veut maîtriser les mauvaises herbes par des successions de cultures, il faut avoir la gamme des cultures possibles. Alors ça, ce n'est pas possible dans une exploitation agricole de petite taille. Plus on est sur des grandes tailles, plus on peut faire des jeux complexes de rotation. J'ai visité des exploitations agricoles de 300, 400, 500 hectares où il y avait une vingtaine, une trentaine de productions végétales et animales. Et le jeu, entre guillemets, de l'exploitant, c'était de combiner tout ça de façon optimale. Mais dans une exploitation où il y a une seule tête pour réfléchir, c'est plus facile que de faire ça dans un regroupement de 15 exploitations, parce que ça veut dire que c'est une gestion conjointe et que ça demande une très forte intégration des décisions techniques et des décisions économiques. Donc, pour ma part, je ne suis pas très optimiste sur que les règles de l'écologie pilotent collectivement des paquets d'exploitations voisines. Un des maîtres mots de l'écologie, c'est la résilience.
Et pour être résilient à la fois au changement climatique, mais aussi aux épidémies, on l'a vu récemment là, pour les productions de la pomme de terre, eh bien, la diversification est aussi le maître mot. Revenir à la polyculture élevage, comme le mentionnait Hugues, c'est une des voies effectivement envisagées. Ces grandes régions agricoles spécialisées en une production, alors autour de filières, hein, évidemment c'est très difficile de changer à l'heure actuelle parce que les filières sont bien installées, mais ça pose des problèmes de fragilité, de vulnérabilité à la fois des dérèglements climatiques et aux maladies des plantes. Moi, je voulais citer près de chez nous, là, sur le plateau de Saclay, il y a des agriculteurs et il y a notamment la ferme de Viltin qui fait de l'élevage. Alors, c'est de l'élevage qu'on ne peut pas vraiment qualifier d'écologique, mais c'est de l'élevage intensif. Et le fumier des vaches de Viltin est utilisé en partie pour alimenter en éléments minéraux, donc organiques, une ferme voisine, donc qui est la ferme de Vandamme, qui est sur Villers-le-Bâcle. Et ça permet de faire du blé, en régime sans apport d'éléments minéraux, donc en régime proche du bio. C'est un exemple comme ça. L'autre chose que je voulais dire, c'est que quand on a la chance, bon, c'est le cas dans la région, d'avoir à la fois des chercheurs de l'INRA et d'autres organismes, et puis des agriculteurs, bien les faire travailler ensemble, ce qui commence à se faire un peu, sur des thèmes comme la gestion de la matière organique, par exemple, ou l'alimentation en azote pour les cultures en bio, c'est quelque chose qui intéresse les deux parties et qui peut amener des réflexions intéressantes. Je ne dis pas que ça va résoudre les problèmes de la planète, mais c'est des exemples concrets, si vous voulez, qui seraient, à mon avis, à généraliser dans d'autres régions. On a une question à propos de l'initiative 4 pour 1000, une question sur qu'est-ce qui se fait de concret pour atteindre l'objectif de fixation de carbone dans les sols et quel impact attendu actuel ou attendu à grande échelle et comment atteindre cet objectif. J'ai déjà aussi un petit peu répondu à cette question dans le chat, au moins à travers la recherche. Pour dire qu'il y avait un grand programme européen de recherche qui avait été lancé sur cette question pour déterminer quelles étaient les meilleures pratiques agricoles qui permettaient le meilleur stockage du carbone dans le sol. Au niveau international, il y a également un comité scientifique qui s'intéresse à la question, mais il est vrai qu'à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait de très gros financements pour des projets internationaux à l'heure actuelle sur cette question. Une des difficultés, c'est que le 4 pour 1000 est possible, probablement atteignable dans des régions tempérées. Ça pose beaucoup plus de difficultés, évidemment, dans des régions arides ou semi-arides, où les taux de matière organique sont extrêmement faibles, mais ils sont extrêmement faibles du fait que les sols sont sableux, par exemple, que le climat est aride, qu'il est difficile de produire de la biomasse. Et donc, il est très difficile d'augmenter les taux de matière organique. Alors, il y a une question qui est plus d'ordre technique, c'est est-ce qu'on pourra avoir accès aux diapositives? Je ne pense pas que ça posera de problème. On les mettra sur le site de Grignon. Il y a aussi une remarque qui dit que les solutions sont là. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que ça bloque? Comment est-ce qu'on peut faire pour que ces solutions soient mises en œuvre? Et comment est-ce qu'on fait, nous, en tant que citoyens, pour accélérer le passage à l'action? Petite question. Une des voies, c'est le consommateur. On l'a vu pour le bio. Hein. L'augmentation de la consommation de produits bio amène de plus en plus d'agriculteurs à passer en bio, évidemment.
C'est une question d'offre et de demande. Et en tant que citoyen, je pense que il y a différentes voies pour militer pour une agriculture plus écologique. Et on le voit dans tous les débats politiques à l'heure actuelle. Une des questions qui a été abordée aussi ces derniers jours, c'est la question des territoires, en considérant que la question d'échelle, c'est une question très importante. Est-ce que l'on doit considérer, par exemple, l'autonomie agricole au niveau de régions agricoles, ou est-ce qu'il faut considérer cette autonomie au niveau de l'Europe? Il y a eu un débat là-dessus. Est-ce que l'on doit, par exemple, en France, considérer qu'il faut absolument produire plus de fruits et de légumes, alors que nous, on produit pas mal de céréales, alors que l'Espagne, d'autres pays en Europe produisent ces fruits et légumes. Est-ce qu'il faut raisonner donc à cet espace européen, voire cet espace euro-méditerranéen, ou seulement l'espace français, ou seulement l'espace régional? Michel Bernard. Oui, Michel, je dirais quelque chose à la question précédente sur les blocages. En France, il me semble qu'il y a un blocage important qui est qu'il y a deux versions de l'écologie. Il y a une écologie qui se dit écologie politique, qui est une écologie rêvée, où on fait peu d'écologie en réalité, mais on réagit au monde tel qu'il se présente, et c'est une écologie relativement conflictuelle. Et le problème, c'est que pendant longtemps, je dis pendant longtemps parce que c'est en train de changer, les agriculteurs ont considéré l'écologie comme quelque chose qui leur était adverse. Alors qu'en réalité, il me semble que tout bon citoyen, entre guillemets, ne peut que souhaiter qu'il y ait une rencontre entre l'écologie scientifique telle qu'elle devrait être comprise par l'opinion publique, d'une part, et d'autre part, la pratique écologique des agriculteurs, qui me semble être les mieux placés pour ce faire parce qu'ils sont en contact direct avec la nature et ils ont souvent de très bonnes idées pour peu qu'on leur pose des questions. Et je trouve très triste que pendant longtemps, parce que je pense que c'est en train de changer, quoique certains s'évertuent de cultiver le conflit, je trouve très triste qu'il y ait conflit entre des agriculteurs dans le métier futur être des écologues pratiques et ceux qui, dans la société, ont envie de faire évoluer la nature dans un sens qui soit environnementalement plus favorable. Et si chacun d'entre nous pouvait apaiser ces tensions, je pense que la société dans son ensemble y gagnerait. Bon, le son, effectivement, c'est un peu dégradé. Que Mathieu ou Marlène, vous avez d'autres questions qui émergent? Il y a une question sur, qui fait écho au retour du polyculture élevage. Il y avait, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir, est-ce que ce ne serait pas souhaitable de revenir à un équilibre agro-silvo-pastoral? Et remettre l'arbre au centre de l'agriculture. On a parlé d'agroforesterie, est-ce qu'il doit être au centre? Si moi, je peux dire que... Bon, vas-y Michel, vas-y. J'apprécie beaucoup cette question, mais je n'emploierai pas le mot « revenir à », parce qu'il me semble qu'il faut progresser vers, non pas revenir à, parce que le passé ne sera jamais comme l'avenir sera souhaitable. Mais tout ce qui est intégration de la production agricole, de l'élevage, des arbres et puis d'autres productions encore,
tout ce qui va dans le sens d'enrichir les équilibres écologiques est bien entendu souhaitable. Mais il faut inventer des formes nouvelles d'intégration et revenir peut-être dans certains cas précis où le passé était excellent. Mais il ne faut pas faire, faut pas avoir une philosophie de l'écologie tournée vers le passé, plutôt une philosophie tournée vers l'avenir. À cet égard, je me permettrais d'ajouter un mot sur l'agrivoltaïque. Je ne sais pas si vous êtes au courant. J'ai appris ça ces derniers jours. Ça consiste à couvrir des productions agricoles qui généralement souffrent d'un ensoleillement trop fort, le couvrir à peu près à 4 mètres de haut par des panneaux voltaïques orientables. Et donc, on associe à la fois la production agricole et la production d'électricité sur le même sol. Un des problèmes de la production d'énergie par la biomasse, c'est qu'en termes de rendement par surface, c'est extrêmement faible par rapport à l'éolien ou au photovoltaïque. Et qu'une des voies qui paraît assez prometteuse, c'est d'essayer d'associer ces deux énergies renouvelables, voltaïque et éolien, avec une production de biomasse limitée, et ça permettrait, dans ce cas-là, de produire de nouveaux types d'hydrocarbures issus directement de la biomasse, donc grâce à l'électricité. Et pour revenir à l'agroforesterie, il y a quand même une limite, climatique. L'agroforesterie fonctionne très bien, et on le sait depuis l'époque romaine au moins, fonctionne très bien dans les régions où il y a suffisamment de lumière. Donc, c'est le cas dans les milieux méditerranéens, c'est le cas dans les milieux sahéliens, par exemple, où il y a des parcs à Acacia Federbia, par exemple. Mais ça ne marche pas ou beaucoup plus difficilement dans les zones où l'ensoleillement n'est pas suffisant et où il y a une concurrence pour la lumière. On ne peut pas faire pousser des céréales sous des arbres dans le nord de la France. Oui, y a-t-il d'autres questions ou... Moi, j'en aurais une qui est quand même qu'on a abordée un petit peu en disant que le consommateur pouvait être un peu permettait d'orienter. Par le fait qu'effectivement l'achat, la vente des produits permet donc de produire et de trouver une rentabilité à la production. Dans le même esprit, finalement, le fait de choisir de manger plus de poulet ou plus de viande issue de ruminants ou le fait de diversifier son alimentation en mangeant plus de légumineuses, par exemple. Un des problèmes dans les rotations qu'on veut faire sur le blé dur, par exemple, puisque j'avais travaillé sur cette question, c'était de dire que ce serait très bien de pouvoir faire du pois chiche. Or, si je fais du pois chiche, je ne sais pas quoi en faire. Donc, je n'arrive pas à le vendre. Donc, il y a un problème, effectivement, de trouver, de développer des filières en fait, de vente, de commercialisation, de donner à manger, à donner peut-être une autre manière de se nourrir. Voilà, il y a tout un travail, ce n'est pas uniquement que le consommateur, je pense que c'est toute la filière en fait, qui est concernée. Je ne sais pas si ouais. C'est quelque chose que... Je voudrais dire un mot, moi, sur ces filières de nourriture animale. Oui. Il y a un peu de temps, je ne sais pas si vous avez été frappé, mais on a eu une discussion à l'Académie d'agriculture, nous, sur quelque chose qui ne relève pas de l'agriculture, mais qui est une réserve au Brésil, qui est le Pantanal. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le Pantanal a eu un été très sec et il y a eu des feux qui ont dévasté à peu près 20% de la surface forestière du Pantanal, qui est une région normalement très très humide, et qui est une sorte de hotspot de la biodiversité, donc très très importante du point de vue écologique. Et ce qu'on craint, c'est que
l'issue de ces feux, il y ait des installations d'agriculteurs qui se fassent dans une zone qui normalement était protégée. Ça va aussi avec les problèmes de déforestation de l'Amazonie pour accroître les surfaces agricoles au Brésil. Et une des raisons pour lesquelles on accroît les surfaces agricoles au Brésil, c'est que le soja qui vient du Brésil est acheté, notamment par l'Europe, pour nourrir nos animaux. Et c'est paradoxal que l'Europe, qui ne veut pas de plantes OGM, achète des soja qui est entièrement OGM pour sa filière animale. Alors, il y a depuis longtemps en France un plan protéines qui devrait voir le jour, mais qui tarde beaucoup à se réaliser. Et ce serait mieux de le faire à l'échelle européenne et d'avoir un minimum d'autonomie. Alors, je botte en touche sur la question, est-ce qu'il faut manger moins de viande? Je pense que personnellement, moi, j'en mange moins, mais c'est à chacun de le décider. Mais surtout, pour notre filière animale, ben, il serait très, très souhaitable d'avoir une autonomie sur l'alimentation de ces animaux, d'un point de vue plus personnel. Non, mais ça pose la question, effectivement, de l'alimentation des polygastriques. Et il est évident qu'il faut s'orienter davantage vers une alimentation par l'herbe plutôt que par le soja. Et donc, c'est le retour au pâturage. Tout à fait. Sans oublier que trop de pâturage alimente les fermentations entériques qui sont très importantes en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et en méthane. Oui, c'est la production de méthane des ruminants, c'est ça. Enfin, est-ce que nous avons d'autres sujets qui auraient été posés, Marlène? Marlène n'est pas branchée encore. Non, alors il y a encore des questions auxquelles Christian a répondu, mais je vais quand même le dire pour que ça reste dans le replay. C'est la question des haies. Est-ce que c'est une bonne solution? Vas-y Christian. Non, mais j'ai déjà répondu dans le chat. Oui, bien sûr, c'est une excellente solution parce que ça permet de limiter déjà la taille des parcelles. Donc, ça limite la vitesse du ruissellement, ça limite l'érosion. Et puis, surtout, je dirais, ça favorise la biodiversité, comme tout le monde le sait. Ça limite aussi les effets de diffusion d'un certain nombre de produits phytosanitaires dans la période actuelle. Comme de diffusion de certaines maladies aussi. Ça sert de brise-vent aussi. Oui. C'est agréable dans le paysage. Oui. Ne pas négliger. Moi qui suis en Côte-Chalonnaise, encore faut-il qu'on ne coupe pas ces haies de façon sauvage régulièrement, ce qui prive, ce qui en fait finalement empêche d'avoir des haies diverses, suffisamment hautes et suffisamment fortes. Sans oublier que du coup, on a moins de murs à ramasser aussi. Oui. Il y avait une question aussi. Oui, sur l'eau. Sur l'eau, quelqu'un a posé une question sur le possible remplacement du maïs par le sorgho. Le problème, c'est que on sait que le sorgho est moins exigeant que le maïs en eau, mais le problème, c'est qu'on a peu travaillé sur l'amélioration génétique du sorgho. Et donc, le résultat, c'est qu'actuellement, l'agriculteur voudra, même s'il sait que le maïs demande davantage d'eau, il plantera du maïs parce qu'il aura une meilleure production. Et donc, la seule solution, ce serait des recherches
variétale sur le sorgho qui fasse l'objet d'attention de pouvoir public, de l'INRA par exemple. Et ça, ça demande au moins 10 ou 15 ans de recherche. De quoi, je ne suis pas complètement convaincu par le sorgho, je dois avouer, parce que je ne sais pas trop ce qu'on ferait du sorgho en France, mais je me demande si les producteurs de maïs du Sud-Ouest ne doivent pas revoir complètement leur système de culture, parce que de toute façon, il est condamné. Avec les dérèglements climatiques, on voit bien que là, ils sont en conflit d'usage de l'eau avec d'autres secteurs, en construisant même des barrages illicites, comme vous le savez. Et de toute façon, ils ne peuvent pas bénéficier de ressources souterraines, puisqu'il n'y a pratiquement pas de nappe dans la région. Donc, ils ne sont dépendants que des eaux superficielles, et donc ça pose de très gros problèmes en termes de ressources, en quantité et en qualité. Donc, de toute façon, un jour ou l'autre, ce système devra être revu. Sur l'eau, d'une manière générale, je voudrais dire que je suis aussi attristé, décidément, par le débat sur les barrages, sur les retenues collinaires et, d'une manière générale, la gestion des hydrosystèmes. Une partie de la jeunesse écologiste s'engage dans cette affaire-là et ça a donné lieu, malheureusement, à des violences. Les agriculteurs ne comprennent pas qu'on ne veuille pas des retenues d'eau. Et il y a eu des articles dans la grande presse de scientifiques prenant des positions très raides dans un sens ou dans l'autre sur ces problèmes de l'eau. Je suis surpris que personne, dans tous ces débats qui vont un peu dans tous les sens, personne n'ait exploré la complexité d'un hydrosystème, parce qu'entre la pluie qui tombe, la pluie qui s'infiltre, la pluie qui ruisselle, qui ressort à un endroit ou à un autre par des sources, qui rejoint des nappes suspendues, qui rejoint des nappes phréatiques profondes, des besoins en eau justifiés ou non justifiés. Il y a finalement, comme le disait un très ancien professeur d'agronomie, il disait que l'agronomie ou l'écologie était une science de la localité, et la réflexion sur l'eau est une science de la localité. Quand on est sur un système karstique dans le Languedoc, on n'est pas en Bretagne sur des sols qui sont tout à fait différents et sur des reliefs qui sont tout à fait différents. Et on ne devrait, sur ces questions-là, plutôt que d'enregistrer des conflits, on ne devrait que commencer par dire de quoi on parle, de quelle zone on parle et de quel système hydrique on parle, pour vérifier s'il est intéressant ou non intéressant de faire des retenues. La question est quand même assez bien étudiée par l'agence de bassin Adour-Garonne, hein, ou Garonne-Adour, je ne sais pas exactement, sur les ressources en eau dans cette région. Et je me suis laissé dire qu'il y avait encore trop peu de collaboration entre les spécialistes des nappes profondes, des nappes superficielles, des rivières, des débits d'eau, des ruissellements, du comportement de l'eau dans le sol, etc. Et il n'y a pas véritablement de modèle unifié simulant de façon assez réaliste la circulation de l'eau dans une zone donnée. Et on peut dire une chose aussi, c'est que les modèles climatiques qui prédisent des sécheresses plus accentuées prédisent aussi davantage d'eau en hiver et au printemps, donc des risques d'inondation et tout ça. Donc l'idée d'avoir éventuellement une petite partie de cette eau utilisée dans des bassines, des réserves, etc., moi ne me semble pas stupide. Moi non plus. un des problèmes quand même des retenues d'eau, c'est l'évaporation.
Il y en a eu énormément de construites dans la zone sahélienne. Elles perdent pratiquement un centimètre par jour. Et en plus de ça, au moins en Afrique du Nord, elles ont une forte tendance à s'envaser du fait de l'érosion des bassins adjacents. Christian, as-tu vu les aménagements qui ont été faits dans le nord Niger, dans l'arrondissement de Keïta, où il y a des retenues collinaires, mais les retenues collinaires ne sont construites que lorsque l'on a aménagé du haut vers le bas le bassin versant avec des micro-aménagements. C'est-à-dire qu'on retient l'eau partout où l'on peut avant de retenir l'eau dans les zones les plus basses où effectivement, s'il n'y a pas d'aménagement de versant, n'importe quelle pluie torrentielle emmène les pauvres digues que, que nos ingénieurs essayent de construire. Ce que je connais bien au Niger, ce sont les systèmes naturels où l'eau s'infiltre dans les bas-fonds et, oui, et permet d'alimenter des nappes et permet des sortes de micro-oasis. Ce que je connais aussi, c'est le système des Gessours dans le sud tunisien qui ressemble à ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des retenues, il y a toute une succession de petites levées de terre le long des ravines sous 200 mm de pluie. Et ces levées de terre qui sont munies d'un déversoir retiennent les sédiments, mais laissent passer l'eau. Et donc, il n'y a pas de dégâts provoqués par justement des barrages qui céderaient. Et c'est le fait que les sédiments s'accumulent permettent la production d'olives. Oui, il y a pas mal d'olivraies sous une pluviosité qui est extrêmement faible. Comme quoi, il y a plus d'intelligence technique de la part des agriculteurs que de la part de ceux qui ont une technique qu'ils appliquent partout et qui n'est pas adaptée aux conditions locales. Et d'une manière générale, à l'heure actuelle, par exemple au Maroc, on favorise de plus en plus quand même la recharge des nappes plutôt que le stockage superficiel. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que il y a un point qui est aussi donné dans les commentaires? On voit bien qu'il y a, bien entendu, des tas d'initiatives, de pistes et d'innovations, de changements de pratiques, on va dire plutôt comme ça, nécessaires. Et que, donc, aller vers une agriculture écologique, est-ce que ce n'est pas justement difficile parce que on se prive des moyens, des engrais, des pesticides et autres qui permettent de maintenir un rendement assez élevé? Et est-ce que finalement, quand même, un des enseignements, c'est finalement arriver à changer son système de production pour arriver à quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, qui a une matière organique dans le sol plus élevée, qui a une plus grande résilience aux maladies, etc., permet quand même d'augmenter ou en tout cas de maintenir un niveau de rendement qui est tout à fait satisfaisant. Est-ce que ce n'est pas une des clés, c'est-à-dire, et une des difficultés? C'est-à-dire que d'un côté, on part d'un système qui a un rendement élevé, mais qui n'est pas écologiquement viable, pour arriver à un système où on se prive de ça, mais voilà, comment arriver à avoir un système suffisamment performant, voilà, pour arriver à être économiquement beaucoup plus fiable, quoi. Pas uniquement en augmentant les prix de façon non supportable par les consommateurs. Alors, il y a une grande loi qui me semble être importante en écologie, enfin sur les écosystèmes, c'est que dans un écosystème donné, en laissant faire la nature, il s'établit des relations, des équilibres qui, au total, optimisent la production d'ensemble. Quand on est, au contraire, dans un agro-système où on a un petit nombre de productions, quelquefois simplement une production monospécifique, c'est beaucoup plus difficile d'arriver au même niveau de productivité physique que dans un écosystème. Autrement dit, si on arrive à faire des agro-écosystèmes dans lesquels on produit des plantes et on produit des animaux dont on a besoin dans la société, donc assurer d'un marché,
et qui de plus s'inscrivent dans des cycles écologiques, c'est-à-dire des complémentarités relativement optimales, eh bien, dans ce cas-là, on a une agriculture écologiquement intensive et qui est économiquement acceptable. Voilà, je pense que c'était une des questions, c'est intéressant de le rappeler. Mais peut-être, oui, je vous laisse, bien sûr, Bernard, vous vouliez... Moi, je veux dire une chose sur, sur les rendements en bio comparés aux rendements en agriculture conventionnelle, disons. Dans certains domaines, par exemple dans le maraîchage, je pense que le bio arrive à faire à peu près aussi bien que l'agriculture classique. Peut-être 80%, 90% des rendements habituels. Pour les grandes cultures comme le blé, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que les rendements bio actuellement sont moins de la moitié en général de ceux de l'agriculture conventionnelle. Donc, le problème principal, je pense, se situe du côté de l'alimentation en azote et donc de la dynamique de décomposition des engrais organiques qu'on apporte sous forme de fumier, de choses comme ça, tout ça. Et donc, il y a un travail certainement à faire sur comment optimiser cette dégradation de la matière organique de manière à fournir de l'azote au moment où la plante en a le plus besoin, et d'arriver à augmenter son rendement. Je pense que c'est un des points qu'il y a besoin de davantage de recherche et de recherche combinée entre agronomes et pédologues. Oui. Christian, vous vouliez... J'ajouterais microbiologiste des sols, pour être plus précis. Tout à fait, absolument. Pédologue, j'ajoute absolument. Merci. Nous arrivons à la fin de notre conférence. Ça a été fortement riche, bon, un petit peu perturbé malheureusement, mais c'est les aléas du direct, comme on dit dans la télévision, mais c'est les aléas bien sûr des webinaires en direct. Nous avons pu enregistrer quand même, donc on pourra le mettre. Nous allons pouvoir avoir bien sûr les PowerPoint qui ont été présentés, je pense. On pourra les mettre sur le site, puis peut-être d'autres, peut-être des articles. Je sais que vous êtes aussi, vous publiez, donc on ne manquera pas de faire connaître vos articles, vos ouvrages sur notre site. C'est aussi l'objectif de notre agroforum, c'est de pouvoir mettre de l'information à disposition des lecteurs, hein, qu'on pourrait dire ça comme ça. Avez-vous un mot à dire un peu pour la fin, pour conclure? Qu'est-ce qui serait finalement à retenir de plus important? Michel, je m'adresse à vous, puisque vous avez eu quand même votre propos un peu tronqué. Est-ce qu'il y a un message qui vous semble particulièrement fort à essayer de retenir comme cela, un peu en conclusion? J'ai deux messages totalement différents l'un de l'autre. Le premier, c'est que je pense que l'écologie est une science reine pour le futur, parce que c'est celle qui nous permet de comprendre la biosphère, cette mince couche de vie dont nous dépendons tous et qui est menacée sur la planète. Mais l'écologie scientifique, que l'on fasse de la politique, c'est légitime, mais Dieu, que l'on fasse de l'écologie scientifique, et qu'on y consacre des moyens suffisants. La deuxième chose qui est totalement différente, c'est que les web-séminaires, il y en aura de plus en plus. Et une fois que la technologie ne sera pas défaillante, ce que vous avez organisé, c'est quelque chose qui pourrait peut-être être des rendez-vous permanents, échanger sur des questions les uns les autres, sans se connaître, et me semble être tout à fait utile, et socialement bénéficiaire pour tout le monde. Donc, moi, je suis candidat à ce que nous retrouvions. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais ça me plaît. Non, ça vous regarde, ça nous regarde,
c'est vraiment notre vœu le plus cher, c'est de poursuivre notre aventure que nous avons démarrée donc, il y a peu, hein, finalement. On a commencé notre premier rendez-vous en juin. Évidemment, c'est lié au développement de notre projet, mais on espère que notre projet, bien sûr, va le voir le jour. Il se renforce, il se développe, on va voir. Mais en tout cas, c'est bien l'agroforum dans toute son expression. C'est aussi bien donc, des webinaires, nous espérons des mixtes avec des rencontres, c'est peut-être de la mise en réseau aussi. Je pense qu'on souffre, beaucoup finalement de déficit de mise en réseau, et nous espérons aussi pouvoir ouvrir à l'international. On a dans notre communauté de soutien des agronomes en particulier de Tunisie, aussi du Maroc, et puis d'autres pays qui se sont intéressés à notre petite aventure. Donc on espère pouvoir l'ouvrir. Et un des thèmes que nous allons avoir assez bientôt sera des thèmes justement sur un peu plus les échanges internationaux ou la politique européenne. Voilà. Donc on a des sujets, et j'espère pouvoir que vous allez pouvoir participer à un titre dans d'autres configurations peut-être, ou dans ces configurations de rendez-vous comme cela, de web. Voilà, et puis on est ouvert pour l'instant, notre communauté, donc pour l'instant, qui nous soutient. On est quand même à peu près un millier hein, d'agronomes et d'amis de Grignon. Et donc, on va lancer un peu auprès de cette communauté un peu un think tank hein, sur l'avenir de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Et donc, on espère aussi que là, il va y avoir des tas d'idées et de projets pour faire émerger quelque chose. En tout cas, je pense qu'on a, un rôle à jouer, et les scientifiques et les agronomes de terrain doivent pouvoir mieux changer, et les agriculteurs, évidemment. Et il faut donc créer ces espaces d'échange. Et il faut le vivre, il faut le développer. Je pense l'enjeu de Grignon, enfin pour moi, c'est l'ambition peut-être même de Grignon, c'est d'essayer d'être ce lieu de rencontre, voilà, et d'échange. Un grand, grand projet. Bernard, vous voulez, Christian, un mot? Oui, le mot de la fin. Vas-y, Bernard, vas-y. Vas-y. Alors, si je pouvais dire un mot, comme vous le demandiez tout à l'heure, j'utiliserai le mot diversité. Je pense que c'est vraiment le mot-clé pour l'avenir. Il n'y a pas une solution, il y en a de multiples, et qu'il faut pouvoir choisir en fonction des contextes climatiques, pédologiques, sociaux, économiques, et ne pas obéir à des dogmes qui seraient universels pour l'ensemble de la planète. Il faut se méfier d'un certain impérialisme écologique, je dirais, vis-à-vis de nos amis africains notamment, qui eux n'ont pas connu, au moins dans les régions sahéliennes, n'ont pas connu la révolution verte, entre guillemets, et à qui on peut difficilement interdire le recours à un tout petit peu d'engrais alors qu'ils n'en ont aucun. Je dis un mot. Oui, bien sûr. Moi, je dirais, en conclusion, c'est d'aller un peu, de laisser agir et de faire agir la nature. Je pense que c'est une des choses, donc comprendre comment elle agit et la laisser agir, je crois que ça... Alors que, on l'a souvent considéré comme une ennemie, donc il faut la considérer aujourd'hui comme une alliée et essayer de faire avec le plus possible. Ce n'est jamais que finalement satisfaire aux lois qui existent et qui régissent les équilibres sur notre planète. L'autre chose que je voulais dire, c'est que est-ce qu'il y avait des agriculteurs dans les... Et sinon, ce serait bien qu'il y en ait quelques-uns. Voilà. Oui.
Alors, dans notre univers, la communauté, on a repéré qu'il y avait des agriculteurs. On ne sait pas encore si ce sont des ingénieurs agronomes qui sont devenus agriculteurs, parce qu'il y en a. On ne sait pas si ce sont des agriculteurs qui commencent à s'intéresser. Mais en tout cas, c'est notre ambition, de notre envie, en tout cas, d'ouvrir. Si on veut être un lieu d'échange, en gros, c'est un peu l'idée de dire sortons de l'idée un peu classique de l'enseignement et on était dans le top-down, hein, de la vulgarisation agricole. C'est ça qui a fait, je dirais, l'agriculture conventionnelle, où en fait on avait les labos, les chercheurs qui sortaient des formules et qui étaient après vulgarisées par les techniciens. Et les agriculteurs, ben, ils appliquent les formules. Bon, on n'est plus dans ce modèle-là. C'est évident que maintenant, on doit réinventer à la base, sur le terrain, dans les exploitations, dans les territoires, et que le rôle, au contraire, là, des techniciens, des ingénieurs, c'est d'accompagner cette innovation et de faire remonter et de capitaliser, et ça, c'est le rôle des chercheurs. Et donc, on est dans du bottom-up. C'est ce qu'on appelle, qui parlait beaucoup, je pense, on parle beaucoup de ça, c'est l'intelligence collective qu'il faut mettre en action. Bon, moi, je crois fermement, en tout cas, que c'est le rôle que peut avoir le centre que l'on veut créer. Et c'est un peu l'idée de la conférence. Alors voilà, on y va doucement, il faut y aller, quoi. Il faut y croire, en tout cas. Eh bien, bon courage. Merci. Oui, bon courage. Donc, un grand merci pour votre participation. On aura des suites, j'en suis convaincu. Et puis, voilà, on peut clore très certainement cette conférence. On a dépassé un peu notre temps. Et donc, à bientôt. À bientôt, tout le monde. Okay. Bon week-end. Okay. Merci bien. Au revoir.